Dépêchons-nous. Ce ciel me dit rien qui vaille. Ouais, on est arrivé. Ah, sympa. Punaise, mais ça pue ici. Je crois que je vais sortir prendre l'air. Qui est-ce? Du calme, c'est moi, Romain. Fais tes valises, on se casse. Prends d'abord un bain, mec. Tu schlingues trop, ça me pique les yeux. C'est toi, John C., vieille fouine? Tu es là? Je suis une taupe, vieux crasseux. Il est toujours aussi irascible. On vous a suivi? Ne perdons pas de temps. Les hommes du roi Clovis te cherchent. Bah, et ça tombe sous le sens. Vous êtes dans tous les journaux. C'est à cause de vous qu'ils sont là. Sortez, sinon... Le roi sait que tu connais le livre des règles. Le livre des règles? Mais de quoi parles-tu? Tu ne te souviens pas? C'est pourtant évident. Ah, s'il y a une chose que j'ai apprise dans la vie, c'est que rien n'est évident. Tu étais le gardien du livre. Ah, vraiment? Avant de le perdre, dans cet accident. Et? Et ils veulent que tu libères ses pouvoirs. Ah! Rixus, c'est toi qui as lancé ce satané sort pour bloquer les pouvoirs du livre. Oui, bon, d'accord, je vois. Et alors, ça veut dire qu'on doit vivre caché? Ah, ben quand même. Mais nous avons une autre idée. Suis-nous. Quelle est donc cette idée? Je parle du braquage du siècle, tout en faisant notre BA et en gagnant un peu de reconnaissance. Je parle de donner au roi Clovis un bon coup de pied dans le... Ah, pitié, plus vite! C'est déjà assez vieux comme ça. Nous allons voler le livre et tu vas nous aider, crois-moi. Vous êtes fou! On vous recherche! Vous allez vous attirer des ennuis en entrant sur les terres de Clovis! Écoute, vieux schnock. Si Clovis arrive à ouvrir ce livre, on est tous foutus! Oh, Rexus... Je te fais pas prier. Pas question. Non, je ne partirai pas d'ici. En plus, j'ai mes chiens à nourrir. Bon, Rixus, venez manger, petit, petit. Ce sont de bons chiens d'aveugles. Maintenant, partez. Je suis en danger avec vous, c'est... Moi. Ouvrez cette porte au nom du roi! Je le savais! Où est Rexus, les vieilles aveugles? Cache-toi! On s'en occupe! Laissez-moi faire! Ils ne me reconnaîtront pas! Peut-être que je me trompe, mais un seul d'entre nous répond à leur description! J'ai mes faux yeux! Ils ne devineront jamais que je suis celui qu'ils cherchent! Quoi? Non! Hâte! Personne! Oh! Bouge! Nous cherchons le vieillard aveugle Rexus! Qu'ils se livrent, et nous épargnerons les autres! Ces yeux, ils sont quelque chose d'étrange. Oui, cet homme a une excellente vue, et toujours bon pied, bon œil. Vieillard, si vous voyez si bien, allez donc me chercher ces verres d'eau sur la table. Quel crétin! Votre eau, monsieur! Ha ha! Posez cette table, vieillard! Le roi veut vous voir! Donne mes mouches! Allez! Tuez les cœurs de lion! Ah, pas de quoi en faire un fromage! Qui a parlé des fromages? Obéissez! Merci, Q. Oh, j'ai comme un troupeau d'éléphants dans la tête. Oh. Q? Papa? Non. Allez, viens. Oui, bien sûr. Oh, j'ai froid. Ah!
Il me faudra un grog pour me réchauffer. Contre Truffio et Dragval, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous aurez ici de quoi vous mettre sous la dent. Je veux parler d'armes à feu très puissantes. À bas le roi! Que diriez-vous de pique-niquer sous ces arbres? Je vais tuer. J'adore vraiment tuer. Oh.
par ici.
Attention! J'aime assister à une belle explosion. Qu'ils avaient des reins. Il est gelé. Réchauffons-le vite ou il va mourir. Pas de problème. Voici un truc que j'ai appris à Kalios pendant la guerre des pivoines. Ah, bonne idée, Q. Quoi? Il va ouvrir l'estomac de la bête morte et coucher Rexus dans la chaleur de ses entrailles. Ça devrait le garder au chaud au moins un jour. Je vais vomir plus loin. Non, en fait, je vais plutôt le mettre là. C'est mieux quand ils sont morts. Ça va, Rexus? Oh, maman, j'ai l'impression de renaître. Ouais, bon. Rex, écoute. Il faut aller à Bois Sombre et tu es le seul à connaître le chemin. C'est vrai, fut un temps, mes pouvoirs étaient exceptionnels. N'exagérons rien. Ça suffit, maintenant. Nous devons trouver la Dame de l'étang. Elle nous aidera. Il a vraiment perdu la tête. Va falloir faire avec.